Soir à tous et à toutes. Vous allez bien mercredi soir. On est bien. Tout va bien. Pas dans le même espace. Bienvenue. On est... 18 juin, la température extérieure est de 2 et on est parti pour les questions-réponses. Euh, salut à toi, Christine. Salut à toi, Laetitia. Bah Laetitia, écoute, <laughs> merci de t'enquérir de mon état. Ça me fait plaisir en tout cas. Euh, ça va Ah, on m'entend ou pas Apparemment, Laetitia ne m'entend pas bien. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde C'est pas à me le dire dans le chat, ça m'aide euh, à faire je sais pas quoi. Là, je sais pas quoi faire. Sinon, ça va, c'est une semaine hyper, hyper, hyper euh, transformatrice. Comme chaque. J'ai pas mal de hauts et de bas en ce moment, euh, au niveau émotionnel. Et j'apprends à accueillir. Par moments, tes lèvres bougent, mais je n'entends pas de son. Pas super le son. Ah mince. Euh... Peut C'est peut-être le débit, euh, débit interne. Propre box. le que euh. mon débit. Alors, en attendant, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Ouais. hauts et débat aussi sur le. Euh, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez. J'y répondrai au fur et à mesure de la soirée. En commençant évidemment par la première question qui. Alors, euh, on est là pour reconnecter à nos priorités de vie. Donc du coup, euh, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, mon objectif c'est d'être un miroir pour euh, renvoyer à la personne qui elle est en profondeur, Donc, ses croyances, quels sont ses besoins surtout à reconnecter à, aux énergies prioritaires aux fonctionnements qui sont prioritaires solutions entre guillemets solutions qui sont prioritaires et donc ça peut et en même temps évidemment aide à désamorcer ce qui en profondeur que ce soit au niveau familial et en général surtout au niveau familial et aussi au niveau collectif donc à partir de là une fois que la personne a pris conscience vibratoirement parlant corporellement parlant quelle était ses, sa priorité, ben elle peut se acter à partir de euh, sachant que c'est quelque chose que je que je fais tout le temps, c'est-à-dire que ce soit dans mes, euh, dans mes dans mes ateliers, comme l'atelier moi, ou dans mes dans mes sessions individuelles, dans mes entretiens individuels, ce la même rengaine. Là ce que je fais c'est un petit une petite bande annonce, un petit teaser un échantillon quelque part Alors il y a déjà quelques questions. Alors, à toi Ophélie Evelyne Alors la première question c'est de Chris Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à aller pleinement dans mon corps On va parler d'émotion juste un instant Alors Qu'est-ce qui se passe dans ton système euh, Ok. En fait, il y a un côté je me déteste. En train de contacter chez toi euh, quelque chose qui, euh, qui ne s'aime pas, qui se rejette. Et en fait, tu as quelque part besoin de ce rejet pour, euh, pour fonctionner dans la vie. As, pourquoi Parce que t as, t as, ta, ta manière de relationner avec toi se fait par punition. Ok. Euh, le fait que ça se fasse par punition, donc, on à l'instant. Euh, faire par punition, ça vient du familial. Pour toi, euh, ok, tu obéis à des règles strictes. Tu dois obéir à des règles strictes pour pouvoir être euh, copine avec toi-même. Et donc, séquence d'être euh, copine avec soi-même, ça veut dire de t'accepter tel. que Donc, tant que tu n'obéis pas à ces règles strictes, tu, euh, tu n'adhères pas à tes émotions. Et il y a comme une sorte de ouais. Donc ça, c'est le ouais, c'est euh, c'est du rejet. Ta manière. Euh... Alors, en fait, tu es dans un système compétitif si tu veux. Être dans ce système compétitif, ça veut dire que tu dois à tout prix, je disais, obéir à des règles pour pouvoir, euh, pouvoir t'aimer. Et donc, le, le, le la conséquence, c'est que si tu n'es pas sous pression, rien ne se passe. Tu n'as pas une pression quelconque, peu importe d'où elle vient, de toi-même ou des autres, tu peux pas fonctionner, tu ne peux pas agir. Et donc, euh, si tu ne peux pas agir, tu ne peux pas t'aimer. Ok, parce qu'il faut que tu prouves... Le, le bien fondé de qui tu es, absolument que tu prouves le bien fondé de euh... alors le bien fondé de qui tu es ça veut dire que euh, ton existence est acceptée seulement si tu fournis les preuves que tu as bien fait les choses et donc ça renvoie à cette à cette grille lecture extrêmement rigide en train de contacter chez toi et donc qui vient pas de toi, comme je, comme je te le disais précédemment, c'est familial. Et donc sans cette grille de lecture, es perdu. T'as un besoin, as un, be as un besoin d'être sous pression. Donc en fait, sous pression, ça veut dire que c'est le niveau mental chez toi. Donc le niveau mental, il est là pour euh, pour ne pas. Euh, en fait, c'est un peu le guide, c'est un peu le GPS chez toi. Et donc tu as besoin de ce GPS hyper rigide, donc tu besoin de buts hyper précis, tu as besoin euh, que tes actions soient efficaces pour pouvoir t'accepter. Et donc tu as peur de l'erreur. Pour toi, euh, bah ouais, tu as, as, as peur de l'échec. toi, l'échec a quelque chose vient attaquer ton identité, il vient attaquer la va précisément chez toi, c'est ta valeur. Tu penses ne pas être assez bien si tu ne respectes pas toutes les règles de ton mental, les pensées, euh, ou toute, euh, toute forme de règles extérieures ou que tu te serais imposé. Donc en fait, une des clés pour toi, Christine, c'est précisément faire des erreurs. Accepter l'erreur. Aller vers l'erreur. Et voir que l'erreur, lorsque tu fais sciemment une erreur, là, tu prends une recette de cuisine, quelle qu'elle soit, et tu la rates sciemment, eh ben on ne va pas moins t'aimer. On va pas moins t'apprécier. Pourquoi Parce que ça je le dis souvent et c'est quelque chose, c'est une phrase qui me parle aussi à moi, que, euh, une erreur, c'est juste un autre angle de vue sur. Une chose en fait, c'est pas une erreur, il n'y a pas un chemin qui serait bon, un chemin qui serait mauvais. C'est simplement que tu as décidé que cette telle action ou telle attitude, telle émotion est bien, que les autres étaient mal, alors que c'est pas, il n'y a pas de bien et de mal, c'est juste deux angles de vue différents. Donc, ok, en fait, sans repère, tu es perdu. Et voilà le, euh... voilà une des clés. Une des... En fait, ta priorité, c'est d'accepter la perte de tes prix par rapport à toi. Donc accepter d'être perdu, ça veut dire accepter euh, quelque part d'être con ou d'être perçu comme une con. Tu... Pourquoi je te dis comme une con Parce que ça renvoie à l'image que tu voudrais que les gens perçoivent de toi. Si les gens ne perçoivent pas une, euh, une image qui est... Euh... Qui est bien sous tout rapport, qui est parfaite, il y a deux personnes derrière, eh ben, tu ne relationnes pas. Tu ne t'aimes pas. Et il faut absolument que tu sois impeccable. C'est pour ça que je te branche, et là c'est la clé pour toi, la, pri la priorité de ta structure, connecter la notion d'erreur. En fait, la notion d'erreur, c'est la notion de liberté. Autant dans les relations que dans ta relation à toi-même, ta relation à l'autre, ta relation à l'argent, enfin bref. Plein, 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 plein de choses. Euh... Il est question aussi de relations derrière. Hein. Tout ça se passe forcément dans un tissu social. On ne peut pas s'extraire d'un tissu social. Et donc, c'est faire des erreurs socialement parlant. Comme si tu riais à un enterrement. Socialement, il faut faire la gueule. Même si tu l'es comme si je te disais bah de je sais pas tu vas à la boulangerie le dimanche matin euh, et euh, au lieu de faire la queue comme tout le monde chose qui est et un de respecter les règles euh, et ben double tout le monde tu vois c'est un peu l'idée c'est toi même euh, sortir cadre rigide que tu t'es construit et avec ça tu touches pas de la liberté et avec cette liberté que tu vas t'octroyer parce que tu vas plein, tu vas pleinement t'aimer tu vas pleinement accepter ce qui ce que tu ressens réellement ah mais c'est pour ça <laughs> d'accord bon, en gros euh, tu t'aimes si tu respectes les règles c'est vraiment que ça. Hein. tu respectes les règles, tu t'aimes. Les... Si tu ne respectes pas les règles, tu ne t'aimes pas. En fait, tout l'enjeu, c'est passer de l'amour, qui est un amour soumis à l'autorité, à ton mental ou une autorité extérieure, à la jouissance. C'est donc d'accepter que il y a des actions qui ne sont pas euh, accueillies, à bien accueillir socialement, mais qui te font jouir. Et que ta priorité, en fait, c'est de jouer à deux. Par rapport à ta problématique, Christine, merci pour ta question. D'ailleurs, je vois que tu as mis euh, une, deuxième, euh, une deuxième question. Je réponds qu'à une question par personne. Pour, euh, pour me poser autant de questions que vous voulez, il va falloir vous inscrire à l'atelier Harmoniser sa vie que j'ai euh, part. Ah, ce sera le euh, mardi 28 juin à 19h30. Ça coûte 51 euros. Et là, je passe, euh, on va dire, 30 à 40 minutes par personne, et après je renvoie l'information dans le groupe. Et là, vous avez euh, question illimitée. Et donc, c'est un, un atelier sur Zoom, du coup, qui est euh, transmis sur YouTube. D'ailleurs, cet atelier est enregistré. Et donc, dans cet atelier, on passe de... D'abord, de... je travaille vraiment sur la structure, et à la fin de, de cet atelier, on va aller connecter des solutions concrètes pour que tout le monde euh, puisse avoir des choses à faire, un minimum de repères, euh, de solutions adaptées et cohérentes avec lui-même en sortie de cet atelier. Alors, prochaine question. Alors Christine, c'est bon. Et donc pour... Oui, parce que j'ai oublié. Pour, pour vous inscrire, je vous mets le lien en... Désolé, le lien est un peu infâme, mais au moins vous l'aurez. Voilà le lien pour vous inscrire à l'atelier du 28. Alors, une question de Laetitia Pourquoi je ne vis pas de ma passion et pourquoi je n'ose pas de me lancer Ok, donc deux questions en une. Alors, qu'est-ce qui se passe chez toi Ok, alors, euh, pourquoi tu vis passion Eh bah, tu vis pas de ta passion parce que tu n'oses pas te lancer. Peut-être qu'il y a un lien de corrélation entre les deux. Ça va. Euh, du coup, il y a une sorte de honte chez toi. Euh toi c'est pas la hmm. ok en fait c'est parce que tu peux rien savoir tu peux véritablement rien savoir de ce qui va se passer et ça bloque une partie de toi donc puisque tu ne peux rien connaître à l'avance tu peux pas connaître si euh, tu vas gagner de l'argent rapidement tu peux pas connaître si tu vas être perçu comme étant une, euh, je sais pas quelle est ta spécialité et dans quoi tu te lances j'ai imaginé que tu te lances dans l'artisanat que tu les produits que tu crées sont pas bons sont pas de bonne manufacture euh, chez toi ça veut dire être séparé des autres donc en fait une des strates que je suis en train de contacter chez toi c'est que tu as peur de l'abandon et en même temps tu mets une barrière entre toi et les autres tu refuses d'être rapproché c'est pour ça qu'il n'y a pas d'argent. Alors, autre chose par rapport à l'argent, et ça c'est commun, assez, commun, assez commun à, à toutes les personnes qui ont du mal à gagner de l'argent, euh, l'argent c'est directement relié à tes désirs. Tant que tu n'assumes pas tes désirs et donc tant que tu ne laisses pas hum, un espace adéquat, à tes désirs, à ton intériorité en, en gros, et donc à ta féminité, je fais le lien avec ta structure, bah, tu peux toujours courir pour gagner de l'argent. Pourquoi Parce que l'argent c'est une manière de manifester de manière matérielle tes désirs et que tout le monde soit au courant que tu veux ça, que tu aimes ça, que tu as telle tendance. Le fait de, de ne pas être, c'est pas ok pour gagner de l'argent parce que c'est-à-dire que les autres vont être en courant de tes désirs les plus profonds. En gros, l'argent, ce que disais, je disais tout à l'heure pendant l'argent, en plus l'argent, est un mégaphone qui permet d'amplifier la voix de nos désirs. Et tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on veut se cacher, tant qu'on. Laetitia, tu es caché à l'intérieur de toi. Tu te caches derrière des murs, derrière des barricades. Derrière des bunkers, dans des bunkers. Et tant que tu ne acceptes pas de relationner avec le monde, parce que là, il ne s'agit pas forcément d'argent, mais de relation, tant que tu ne décides pas de relationner avec le monde à partir de tes désirs, tu vas toujours courir. Donc il va falloir réellement commencer à te, te relationner à partir de l'enfant que tu es, à partir de de cet enfant, à partir. De ses ressources, de qu'il fait le mieux partir des énergies qui sont reliées à ton à ton adolescence, actualité. Et justement, entrepreneur, entrepreneuse, pardon, hein, c'est une question d'aventure, c'est une question, bah, en tant qu'entrepreneur, et ça je vous le dis pour le vivre au quotidien, je ne sais pas combien je vais gagner le mois prochain. Je sais ce que j'ai gagné à la fin du mois, entre confiance totale. Donc, je reviens à l'argent. Euh, si tu veux de l'argent, il va falloir accepter de sortir de ta coquille. C'est une rigidité mentale que tu as... En fait, tu as rigidifié des énergies. Tu t'es mise dans ta coquille de Bernard Lermite. Et tu souhaites, que les autres, tu souhaites que les autres viennent à toi. Que l'extérieur vienne à toi, comme une enfant. On ne sort pas toute seule la nuit. Euh, pas capable d'avoir des désirs qui vont... Il n'est pas capable d'avoir des désirs qui vont, euh, qui vont mettre en danger le cadre que les parents lui donnent. Donc, chez toi, il y a vraiment cette notion de mise en danger. Alors, au niveau relationnel, là, je viens toucher un truc assez, euh, assez profond chez toi, Laetitia. Euh, C'est le mordor. C'est euh, la guerre 39-45, des relations. Et donc, tu as une énergie de survie qui est en réserve que tu veux pas voir, que tu ne veux pas forcément utiliser et que tu caches derrière cette, euh, cette énergie mentale donc rigide que tu que tu poses entre toi et les autres et entre toi extérieur. Et donc tout l'enjeu pour toi c'est de commencer à relationner à partir à partir de ce qui te plaît, à partir de ce qui ne te, te plaît pas, en gros à partir de tous les stimuli de ton corps. Que ce soit positif ou négatif. C'est là tout l'enjeu pour toi. Vivre de ta passion, ça veut dire que tu arrêtes d'alimenter que le monde est un panier de crabes quand, et que tu commences à valider le ressenti que derrière ce ressenti, que, que, tu commences, alors, ouf, ouf, que tu commences à valider le ressenti que le monde peut être source de, euh, de bienfaisance. Et ce ressenti... Il est bien, en fait, comment tu vas accéder à ce ressenti eh C'est simplement en te confrontant à l'autre à partir de ton intériorité. Et donc, derrière cette rigidité que je contacte, il y a un cœur tout tendre en gros. Et c'est ce cœur tendre qui est nécessaire de présenter à l'autre, donc d'acter à partir de ce cœur qui est fragile aussi mais qui a plein de ressources. Donc c'est une mise en lien. Donc tant, tant que tu n'es pas OK avec une, cette énergie de désir, tant que tu n'es pas OK pour sortir de cette, cette prison rigide que tu Oui, il n'y a pas d'argent. Vivre de sa passion, ça veut dire admettre que ta passion va être sur l'espace public Il va être vu par tout le monde Il va pouvoir être vu, touché et peut-être attaqué, modifié protégé par tout le monde et en fait que les gens vont avoir accès à toi donc c'est pas une question d'argent et la plupart des gens qui ont du mal à gagner de l'argent c'est pas une question d'argent c'est une question de relation c'est une question de désir et donc pose-toi là-dedans arrête de faire des plans sur la comète suis tes désirs même s'ils te font peur. Suis tes désirs parce que, au-delà de ton mental qui te raconte un scénario, il y a ton corps, et donc ses sensations, ses besoins, ses envies, ses désirs, qui te racontent un autre scénario qui, lui, est vibratoire. Donc, ton mental et ton esprit, conceptuel. En fait, pose-toi dans le vibratoire, pose-toi dans le corps, admets que tu as un corps, en gros, admets que tu as des émotions. En fait que ces émotions sont totalement ok ni plus ni moins je te laisse sur ça laetitia et je te souhaite une belle soirée merci pour ta question alors une question d'Evlie. pourquoi je suis si fatigué en me levant J'espère déjà que tu dors suffisamment, enfin que tu Conseil de base. Couche-toi hein, avant minuit, toujours plus efficace. Euh, si je vais voir, je vais voir dans ta structure. J'aime bien donner des conseils. très... Arrête les réseaux sociaux et arrête tout téléphone une heure au moins avant. Alors chez toi, il y a des tensions. C'est pour ça que tu dors mal. Tu as des tensions émotionnelles que tu n'arrives pas à lâcher. En fait, tu n'arrives pas à trouver une sorte, de, une sorte de soupape de sécurité, si tu veux, par rapport à tes émotions. Ça permettrait à tes émotions de s'échapper et donc à trouver un cadre bienveillant dans lequel tu vas pouvoir exprimer euh, ton système émotionnel, ta structure émotionnelle. Comme tu es sous pression en allant dormir, tu ben, es sous pression aussi en allant dormir. pas euh... ah, pendant ton sommeil. Donc, tu es sous pression pendant ton sommeil, tu pas à lâcher le mental. Je me branche sur toi Evelyne, il y a vraiment une notion de euh... le mental, il est gros comme ça. C'est essaye de traiter tout avec le mental. C'est pas possible. Bon, ton mental, il est là pour modéliser la réalité, Modé modéliser l'hologramme de la réalité. Euh, pas pour régler les soucis. Et il est hyper important pour toi de commencer à faire confiance à ton corps. Donc ce soir, euh, je sais pas si vous êtes un peu le figure des 3 quatre questions que j'ai eues. Le corps, c'est la solution pour tout le monde. Branchez-vous au corps, arrêtez de vouloir à mentaliser. Euh, donc je me rebranche sur toi, Evelyne. Donc le corps peut t'aider aussi. Le mental, c'est pas euh, un parent qui va venir tout régler d'un. Tout régler. Pas euh, la baguette de, ma, de Harry Potter. C'est juste un outil parmi tant d'autres. Alors, chez toi, tu as des angoisses. Ouais. Des angoisses nocturnes, mais pas conscientes. Euh... Tu fuis tu es en train de fuir quelque chose qui est en train de te ronger la tête de l'intérieur et plus tu en fait plus tu fuis bah pas euh, trop comme si tu fermais la porte à des amis que tu as invités chez toi pour bouffer et en plus ils ont faim mais toute la journée pour pouvoir bien manger chez toi et au dernier moment tu leur fermes la porte au ils vont ils vont la alors euh, Qu'est-ce qui se passe chez toi pour que tu aies aussi angoissé? Par rapport à l'émotionnel, oh. ok, euh, sous l'émotion. En fait, la véritable problématique, c'est l'autorité. Tu te places en position de victime par rapport à toi-même, de manière très inconsciente, donc place en victime par rapport à cette même part donc en fait tu as une part bourreau une part victime et une part sauveuse sauf que la part sauveuse je sais pas comment l'utiliser parce que euh, c'est la même que le bourreau ok voilà ouais. en fait être un bourreau c'est le même la, exactement et strictement la même énergie qu'être sauveur sauveuse et être quelqu'un qui veut sauver les autres être quelqu'un qui veut euh, venir en aide à l'autre c'est la même énergie de bourreau c'est la même énergie que le bourreau. Pourquoi Parce qu'on vient et on dit à une personne, quand on est sauveur, « Ah, ton expérience est merdique, je vais te sauver, parce que je connais la solution. » Quand es bourreau, c'est « Moi, je connais la vie, et je vais t'imposer mes règles, je vais t'imposer, je vais te dominer, je vais t'imposer mes règles, parce que je sais que c'est les meilleurs, même si ça te convient pas. Et même si ça te fait du mal. Et donc, dans les deux cas, tu domines l'autre. donc, euh, Evelyne, mais c'est ça. Tu es sur une énergie de victime, en fait. Et tu te fais victimiser par, ton... par, par cette énergie d'autorité que tu ne supportes pas. Tu préfères euh, vivre en tant que victime et être prisonnière en tant que victime plutôt que d'être libre en tant que dominante. Voilà, c'est ça. Donc ça te renvoie à ta relation aux hommes, de manière générale. Pourquoi Parce que les hommes sont dominants. Non ah, en tout cas, c'est comme ça que tu as structure inconsciente. Euh, prends un truc. Donc, quelle est ta priorité Ta priorité est de vivre des aventures. Ta priorité est d'être libre. Euh, mais ça, c'est pas accepté par ta Alors qu'est-ce qui se passe Tu voilà, pas... stresses à l'idée de t'ouvrir serait c'est l'idée de voir que tu es créatrice de ton expérience là pour être créatrice ça veut dire être fautive donc en fait tu perçois, tu perçois ton existence comme étant quelque chose de euh, tu n'as pas ta place dans ton existence. du coup quel rapport avec est-ce que tu tentes de fuir Ok, et donc pour arrêter de fuir, il va falloir forcément te retourner vers toi et donc te retourner vers ta responsabilité. Sachant que okay, la responsabilité, c'est pas être coupable la responsabilité, c'est être responsable de ce que tu ressens. En fait, euh, la clé pour toi, c'est que bah, les autres ne sont pas responsables de ce que tu Ce que tu vas ressentir au niveau émotionnel, euh, quelle pensée tu as lorsque quelqu'un te dit quelque chose, euh, c'est ta responsabilité. Choisis pas notre manière de penser quelles vont être nos quelles vont être nos émotions, quelles vont être, quelles vont être notre, notre réaction si quelqu'un dit quelque chose. Par contre, on est totalement responsable de comment on va prendre, comment on va gérer tout ça. Donc l'autre, simplement euh, une lampe torche qui vient éclairer chez toi des zones que toi tu voulais mettre sous le tapis, que tu avais mis dans l'ombre. Et donc c'est pas de sa faute que lui, la personne ne fait pas exprès. Clairement à moi dans le contexte de mon les gens ne font pas exprès d'appuyer là où ça fait mal chez toi. Donc, quand ça fait mal, tu dis que la personne est une méchante. Euh, quand ça fait du bien, ça veut, dire que la, ça veut dire pour ta structure que la personne est gentille. Euh, et c'est là qu'on voit où euh, tu pas branché sur l'amour, tu es branché sur la soumission et la domination. Alors, je te disais, la clé pour toi, c'est d'admettre que tu es responsable de ta vie. Donc, voilà, voilà. Donc, tu n'es pas responsable. C'est pas toi qui les choisis consciemment ni de tes émotions. Pas à la demande parce que tu quelque chose, je sais pas, ton chat est écrasé, j'espère pas. Euh, si t'es triste, si t'as de la colère, euh, si t'as envie de défoncer la voiture de la personne qui a écrasé ton chat, bah, en fait, si t'es indifférente, bah, en fait, ces quatre euh, réactions. C'est pas toi qui les a commandés consciemment. Par contre, c'est ta responsabilité pleine et entière de savoir comment tu vas gérer ces dites pensées. Est-ce que tu vas t'y attacher ou est-ce que tu vas les laisser partir Les laisser te traverser et ensuite les laisser partir lorsqu'elles... Donc en fait... Va vers le côté. Ça te fera du bien. Et donc accepte de montrer un autre visage que celle de la gentille. C'est pas gentil, mais comme on l'est tous. Et t'as des choses à dire à des gens. Alors dis-les. Et au fond, derrière ce côté victimisation, euh, t'as besoin d'aide. Sauf que comme les autres sont des grands méchants, bah tu refuses de demander de l'aide, de demander de l'aide. Il faudrait un peu plus de temps pour euh, aller au fond des choses, mais voilà ce que je peux te dire dans le temps qui met un parti. Merci pour ta question Evelyn. une belle soirée. Salut. Alors, on est bon. On est bon, bon. Bon, bon, bon. La question suivante. Euh, C'est de oh, Cédric. Comment ne plus avoir. Quoi Comment ne plus avoir de dormir avec une fille Je ne comprends pas ta question, Cédric. Ah Plus avoir peur. Comment ne plus avoir peur de dormir avec une fille T'as pas peur de dormir avec une fille, c'est un scénario que tu te construis. T'as pas peur de dormir. Euh, le scénario, sous le scénario, euh. ok, tu T as un stress. En fait, t'as peur de lâcher le contrôle dans ta vie. Pas une question. Et donc. Ok, ouais, c'est ça. Mais t'as peur de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, ça veut dire ne plus avoir. Euh, ah ok, c'est être à la merci des gens. Euh, t'as peur que les gens te fassent une crasse. Et donc tu as un besoin de, de poser tes limites de manière claire. Et en fait que... Pas limite de poser. Pourquoi Parce que que tu fais, euh, que tu dormes à côté d'une femme ou que tu fasses l'amour avec une femme dans les deux cas tu t'ouvres dans les deux cas tu es à sa merci parce que il y a un réel besoin alors je te parle dans une sexualité véritable enfin, est... mais en tout cas lorsque tu arrives à transcender cette notion d'animalité il va falloir commencer à t'ouvrir euh, parce que c'est ça qui fait carburer et donc euh, accepte ah ok t'es sur une ambivalence euh, tu as à la fois peur de montrer de te montrer totalement vulnérable ou en, ou en tout cas ah non t'en as marre de te montrer vulnérable tu préférais aller vers de l'animalité parce que pour toi l'animalité c'est quelque chose qui est totalement euh, proscrit dans ta relation aux femmes pourquoi parce qu'il faut aller dans leur sens donc c'est une peur de ne plus être euh, relié de ne plus être en relation avec la personne qui te nourrit Rapport inconscient à la mère. exactement. Ok, donc on est vraiment sur l'archétype de l'enfant chez toi. Qui... Euh, l'archétype de l'enfant, ça veut dire que bah, c'est ce que je t'ai dit auparavant c'est euh, un enfant, qui a peur que maman ne nourrisse plus. En enfin, un nourrisson. Donc il fait tout pour se soumettre. À, à la volonté de la mère. passe enfin, au bout d'un moment. Hein. L'adolescence. Euh, et donc chez toi, il euh, y a une partie de toi qui n'a pas dépassé ce stade-là, en fait, qui est encore bloquée dans ce scénario de je peux pas euh, révéler ma masculinité pleine et entière devant une femme parce que sinon, ça va couper le lien. En fait, euh, oui, il est clairement nécessaire de couper le lien. Couper le lien, ça ne veut pas dire ne plus relationner. Et ça veut dire ne plus aller dans le sens de la femme, ou en tout cas, que tu projettes la femme. Euh, et là, bah, la question qui vient, c'est bah, je vais pas du côté des femmes, dans quel sens je viens Dans quel sens je vais enfin, le tien. Et c'est ça le truc tu as du mal à aller dans ton sens. C'est-à-dire avec cette notion de euh, dureté. La dureté de fait le fait de te percevoir de te percevoir parce que te percevoir, ça renvoie à, à vraiment à de l'esprit à du monde euh, et à quelque chose de très extérieur à, à l'humain je te parle de ressenti en gros ta question c'est quoi un homme et tu n'as pas la réponse parce que tu cherches la réponse au niveau en fait, la réponse elle n'est pas au niveau mental et au niveau de l'expérience et oh, ok en fait, tu peux pas savoir ce que veulent les femmes. C'est pas possible. Comme une femme ne peut pas savoir ce que veut un homme. Donc, oublie le... Euh... Oublie ce côté, je sais ce que je... En fait, tu essaies de savoir ce que veulent euh, les femmes, la femme qui est, mais c'est pas possible. Et donc, la, une des clés pour toi, c'est va dans ton sens. Il y a là une réelle nécessité. même Ta priorité. Arrête de jouer avec les cyclopes. Euh... Ta priorité, c'est d'aller dans ton sens. D'aller dans le sens de tes besoins. Dans le sens de ton égoïsme en fait. Dans le sens de ton ego. Arrêtez de, de vouloir décaler de ton ego. Donc dans la construction de tes désirs, de tes besoins, tes... Voilà ça touche. Euh, là, ça touche les bonnes connexions chez toi. Ouais, c'est bien ça. Donc en fait, va dans le sens de ton ego, Cédric. T'as rien à craindre. Tu vas voir que tu peux te nourrir de tes désirs, tu peux te nourrir de tes envies, tu peux te nourrir de tes besoins, et que c'est bien là toute euh, l'évolution spirituelle. C'est pas d'aller parler aux anges, aux archanges, euh, non. C'est de sur ton humanité, donc sur tes besoins, sur tes envies, sur tes désirs. Donc, chez toi précisément, sur le fait qu'il y a un élan d'ego, donc d'égoïsme en toi, que c'est OK d'y aller. Et donc, je le dirai toujours, joue avec ce fonctionnement de manière consciente, au lieu de fuir cet aspect-là. Et donc, pourquoi Parce qu'il y a un autre niveau de lien qui est déjà là, mais dont tu n'as pas forcément conscience, avec la femme. C'est-à-dire que la femme est pleinement elle pleinement individu et toi, tu es homme et donc pleinement individu donc c'est du 1 plus 1. à un demi plus un demi qui essaye d'aller pomper chez l'autre euh, non en gros sois un homme <laughs> non mais en fait c'est ouais va dans le sens de tes désirs et bah et comme t'es en même temps je dis c'est une blague mais c'est peut-être pas forcément une blague hein. bon la nouvelle t'es un homme tu un t'as un corps d'homme avec un esprit d'homme donc une manière de percevoir la vie qui est homme ou bah ouais soit un homme c'est à dire adopte ta vision d'homme adopte tes ressentis d'homme tu ressens le monde tu es sensible à ta manière donc c'est à dire en tant qu'homme tu es capable d'agir en tant qu'homme et donc va vers ça et là tu poses toi là, là tu poses ton territoire voilà ce que j'ai à dire Merci beaucoup pour ta question. Elle était très utile, surtout pour moi. <laughs> euh, ok. Très important. Mais dans la méthodologie que je. Que, la, la méthodologie et tout mon protocole pendant mes sessions, pendant mes stages, euh, pendant les ateliers, et pendant tout ce que je propose de gratuit ou de payant, le, le but c'est de se réaligner sur ses priorités. Donc c'est d'avoir conscience de ses priorités et donc de jouer consciemment avec. Les fonctionnements qui nous sont euh, personnels et intimes. Parce que vous avez beau faire ce que vous, vous voudrez vous faire ce que vous voulez. Rien ne pouvez pas changer qui vous êtes. Vous, vous, ne pouvez, vous ne pourrez même jamais changer qui vous êtes. Oubliez ça. Oubliez le fait de vouloir changer. Oubliez le fait de vouloir vous transformer. Oubliez de vouloir... Retirer des choses de vous, oublier le fait de vouloir rajouter en vous. C'est une histoire d'acceptation. N'essayez pas de te changer. C'est parfait comme tu es. N'essayez pas de devenir quelqu'un parfait. Et celle là où je fais en sorte de vous accompagner du mieux que je peux en tant que moi, en tant que louis Samuel c'est que une fois que vous avez, euh, que vous êtes vraiment reconnecté, corporellement parlant, émotionnellement parlant, mentalement parlant, et tous les autres niveaux, à votre priorité, à vos, à vos fonctionnements en tant qu'être humain, à vos énergies qui sont prioritaires, vous pouvez jouer consciemment avec elles. Et c'est là tout le but. Je crois que tu as compris qui tu que tu l'as ressenti dans ton. de tes cellules à la pointe de tes cheveux, eh ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi Il n'y a plus qu'à agir dans le monde. Parce que le monde est fait pour ça. Le monde est fait pour ça. Il est fait pour voir qui tu es, voir quels sont tes désirs, voir, voir quels sont. Ta manière de faire des erreurs, voir tes coups génie. Et le voir de manière matérielle, concrète, euh, relationnelle, personnelle, familiale, sociétale, professionnelle. Et donc, ça, c'est la grosse clé. Hein. Je te cache pas. C'est parfait. <laughs> ok. Évidemment, je suis inspiré ce soir. Alors, après Cédric, euh, il y a. C'est lui. Ah, salut à toi, Sylvie. right. Non, Sylvie, il y a, pour le moment, mes lives se font uniquement par écrit. Donc, euh, pour le moment, je vais euh, vous poser des questions par écrit. Et. Je réponds euh, de vive voix. Euh, si tu veux vraiment euh, faire du live, viens euh, à mon atelier harmoniser sa vie. Ce sera le 28 juin. Là, ce sera un atelier Zoom. Euh, ça dure le temps que ça dure parce que j'ai pas de limite dans le temps. Et donc vous euh, pouvez me poser, tu peux me poser toutes les questions, que tu veux. Euh, toutes les questions que tu veux vraiment. Cinq questions par personne. L'objectif, c'est euh, bah, mois après mois, que vous soyez rebranché à votre priorité. À vos priorités. Alors, j'ai mis le lien dans euh, Google Docs, dans le, dans le chat. Alors. Ok, une question de Gaël. Euh, pourquoi je n'arrive plus à m'engager dans quoi Trop d'idées. Et plus d'incarnation dans la matière Je Très fatigué ok n'arrive plus à non, quoi alors le la notion de désinvestissement ouais alors la notion d'engagement c'est une notion de Je branche euh... Par rapport à ta question donc tu tentes de fuir parce que tu n'as plus la force Pour, pourquoi tu n'as plus la force parce que ce que tu étais capable de supporter jusqu'à présent tu n'es plus capable c'est pas que tu es devenu moins forte c'est à dire que tu es moins compétente ou moins productive ça veut simplement dire que jusqu'à présent euh, alors je vais te le faire en positif ou en négatif jusqu'à présent tu te mentais à toi-même et tu avais pas vu que tu supportais déjà ne supportait déjà plus ça mais tu n'osais pas te le dire et là je te fais la version positive euh, ce que tu étais capable de supporter euh, jusqu'à présent a changer, changer de place et donc il va falloir euh, que tu vois que tu arrives à capter en fait euh, où est-ce que tu au pire ne perds pas d'énergie au mieux euh, te mets en te positionnes là où tu gagnes de l'énergie. Euh, tu n'arrives plus à t'engager parce qu'il y a la nécessité d'être là avec toi et d'être là pour toi, d'être euh, la partenaire idéale qui t'accompagne, d'être le parent idéal qui t'accompagne. Et donc, une des clés que j'ai pour toi, c'est imagine que tu es ton propre enfant. Imagine que tu es ton propre enfant tu a à la fois le parent et l'enfant et tu fais en sorte de t'accompagner euh, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour dans tes différents besoins et en fait c'est dans le, le fait de capter où est-ce que tu perds de l'énergie et où est-ce que tu gagnes et là c'est vraiment quelque chose d'hyper 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 important euh... Et fait que je, suis en, je suis en train de contacter la part dont tu parles. Euh, cette fatigue, cette, pardon, cette fatigue extrême qui est là. Cette fatigue a besoin que tu l'écoutes. Et donc il n'est okay, ouais. plus question de suivre le rythme. mental Suivre ton rythme corporel et émotionnel. Pourquoi Parce que tu as une quête d'absolu de savoir absolu. Et ça, c'est plus viable pour toi. Il y a, tu n'as plus du tout, du tout. Tu n'es plus branché sur la priorité de connaître tout, du tout. Tu as besoin d'expérimenter le monde avec les mains, avec la bouche, avec les, les sens, les nombreux sens que l'on a, comme exactement comme le ferait un enfant. Tu as besoin de ça. Tu as un besoin, ah voilà, c'est ça, que tu es plus capable de supporter les conséquences de tes actes et que c'est ok. C'est pas grave, tu n'es plus, tu n'es pas obligé de faire. Et donc accepte. Et c'est pas forcément une position hyper facile de transformer toi-même le ta vie, transformer toi-même l'emploi du temps voilà, ton quotidien, semaine, de ton mois, de ton année, en fonction de des états. Parce que parfois tu vas être en pleine forme sans savoir pourquoi et que ou alors en forme euh, moyenne et tu vas arriver à porter 50% de ta charge euh, mentale 50% des choses que tu vas faire des responsabilités de ta vie professionnelle euh, peut-être familiale etc parfois tu, tu vas pas être capable et donc une des clés qui arrive c'est demande de, de l'aide hein. tu as le droit d'exprimer verbalement que tu as besoin d'aide parce que tu n'es plus capable de supporter le poids des responsabilités, le poids de tes propres actions, le poids de tes propres. Pourquoi Parce que tu as, as un besoin de te sentir accompagné. Tu as, as besoin d'avoir un, un tuteur, un support, une personne ressource, un lieu ressource, une situation ressource, un groupe d'humains ressource un animal en fait quelque chose qui te permet de ne plus avoir parce que tu ne plus avoir la sensation d'être obligé de faire les choses parce que en fait, tu n'es pas capable tu n'es plus capable certains jours certaines heures certaines semaines de tenir alors qu'en fait le château de cartes que tu es est en train de s'effondrer et donc ta priorité c'est d'accompagner l'effondrement pas d'aller contre parce que du coup, bah, euh, du coup, tu joues contre toi. Tu n'arrives plus à t'engager parce que en fait, tu ne peux plus. Donc, remets l'engagement à ton échelle. Remets l'engagement à la hauteur de ce, que, de ce que tu es capable de supporter. Et pas euh, à hauteur de ce que tu devrais faire parce que tu es une mère, parce que tu développes ton entreprise. Toi, non. En gros, c'est une problématique d'autorité dans ta structure. Euh, le chef, c'est toi, pas ton mental. Le chef, c'est toi, pas tes émotions. Le chef, c'est toi, pas ton corps. Euh, que ce soit ton mental, tes pensées, ton, tes émotions, enfin, toutes les facettes que tu as, ne sont que des conseillers et des... Pas. Le boss et donc il est réellement réellement vital mettre au diapason avec les différentes parts mettent à côté parce que pour toi le corps à rien le corps est extrêmement la preuve et fatigué tu plus à soulever, comme si tu étais plus capable de soulever ton propre corps. Pourquoi Parce que tu aurais tellement sollicité tes muscles si tu avais fait une, je sais pas, euh, trois marathons euh, d'affilée, bah en fait, à un moment donné, ton corps, il stop. Donc, il va falloir mettre au diapason. Et donc, les aides, trouvent une personne, c'est un, un lieu ressource, un, lieu, un lieu, une ressource. Une ressource. Bref, quelque chose qui te permette d'arrêter de, euh, de jouer euh, à je suis forte, je suis capable de mener ma vie de front, alors qu'en fait, tu n'es pas totalement capable parce que tu es un être humain et qu'on n'est pas, euh, comme je le dis toujours, on n'est pas un être unicellulaire. Il l'intégrer. En ce sens-là, exactement de la même manière que c'est pas toi qui as créé ses vêtements, les vêtements tu ce n'est pas toi qui as euh, fabriqué la brosse à cheveux qui te permet de, de te coiffer le matin, tu as besoin des autres pour aussi tes besoins. Voilà ce que je beaucoup. dire. Euh... Pour celles et ceux qui seraient intéressés, la prochaine date de formation communiquée avec la structure inconsciente ce sera le lundi 20 juin. Donc, c'est un. Comment je pourrais dire ça? C'est un espace plus qu'une formation, en fait. J'ai aperçu que j'avais mis le mot formation, mais c'est ah, pas vraiment une formation, parce que je ne vous apprends rien. Mais en gros, c'est un espace euh, de libre expression. Qui permet de mettre de l'authenticité, et de l'honnêteté, de la transparence sur qui on est en tant qu'être humain. Et donc, dans... c'est un espace qui est fait pour s'aimer soi-même. Communiquer avec l'esprit consciente, c'est ça. Donc, de lundi par mois, vous fais faire des jeux. Tout le monde peut poser sa question. En fait, c'est le groupe qui va prendre soin de l'individu. C'est extrêmement important. Comment on prend soin des uns des autres dans ma boutique ben C'est en parlant de comment je vois, comment je te vois, comment je vois ta problématique en tant qu'individu, de manière transparente, honnête. Et donc, pour ça, il ben, y a la nécessité de connecter cet outil que je nomme faire information. Où bah, on se laisse parler, on se laisse exprimer les choses de manière la plus. Et ça, bah, chacun a sa manière, sachant qu'il y a des perceptions énergétiques qui sont hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Euh... Et donc, c'est comme ça qu'on prend son. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est de l'écran. Euh, la première session est totalement gratuite. Et sinon, chaque session est à 26 euros. Euh, deux cours par mois, ça fait 52 euros si vous participez à l'entièreté de cette... Euh, donc, il n'y a pas de date minimum, en fait, de période minimum. C'est vous qui... Décider quand est-ce que vous venez, quand est-ce que vous partez. Vous pouvez participer à six mois d'affilée à deux, deux, deux jours par mois, comme vous pouvez participer à un jour par mois ou à un cours tous les six mois. Enfin bref. Alors, après il dit Claire. Salut à toi. Bonsoir Samuel. J'aimerais arrêter d'être la bonne élève dans beaucoup de, temps de ma vie. Merci si tu reprends une clé. Ah. Comment être ne plus être la bonne élève euh... Alors. Le truc avec toi, Claire. Hein c'est que je suis quasiment sûr ce que je ressens en fait c'est que peu importe ce que je vais dire tu vas me dire mais je sais c'est là où il y a c'est là où tu te tires une balle dans le pied parce que tu te contentes de rester on va dire dans la sphère mentale mais dans ta rigidité sachant que la sphère mentale pas des pensées donc en gros As accès à tes ressentis, tu as accès aux concepts, mais tu ne les laisses pas s'exfiltrer à l'extérieur. Et c'est là tout le truc. Que il y a un besoin. Il y a un besoin d'expression. Et ça, c'est pas de jolies paroles, comme je, comme je peux en dire, qui va être et il va falloir commencer à briser la coquille dans laquelle tu te sens enfermé, sachant que tu te racontes cette histoire, tu te crées le scénario de toute pièce, le scénario du je suis enfermé, et tu, le, tu fais en sorte qu'il soit réel. Fais en sorte que le scénario soit réel. Fais en sorte d'adhérer ce scénario en sorte de te complaire dans le scénario. Donc il ne s'agit pas de faire basculer ta vie. Il s'agit de, comme exactement un poussin bah, sort de sa coquille, il s'agit de fracturer ta vie, touche par bec. La clé, c'est l'action. La clé, c'est arrêter de vouloir avoir raison. La clé, c'est arrêter d'adhérer aux histoires que tu te racontes parce que ça, c'est ta responsabilité. Elle n'est pas ailleurs, ta responsabilité. À quel point tu... En fait, tu te méfies de toi. Tu te méfies de toi-même comme de la peste, du Covid. Si on est un peu à jour. Tu vois Je suis en train de toucher. C'est vachement violent. Hein Il n'y a rien de plus de détestable que moi. Il n'y a rien de plus détestable que moi. Je méfie de toi. Je détourne de toi. Et tout l'objectif, c'est de rentrer en toi. Et pas de te cacher comme tu le fais. Mais de sortir à l'extérieur, donc d'exprimer tout en étant totalement dans ton délire. Donc en fait, arrête de t'analyser. Arrête de t'analyser. Arrête de, ah oui, donc ça vient de là. Ah ça veut dire ça, ah oui il a dit que c'était ça, ah moi j'ai capté que c'était ça, ah mais je ressens ça. En fait tu te fais un monologue, tu es dans un monologue constant, tu n'es pas réellement là avec les... Tout l'objectif c'est de te remettre en lien avec l'environnement humain, l'environnement organique, vers les végétaux. Et que dans cette remise en lien, et que cette remise en lien, pardon, Inclus le je me montre. Je montre quel est mon délire. J'acte quel est mon délire. J'arrête de vouloir comprendre quel est mon délire. C'est aussi sur une quête de ah, je dois trouver la vérité. Maintenant, en il n'y a pas de vérité qui existe. Ou plutôt, donc déjà, il n'y a pas de vérité absolue. Non. Et ta vérité, elle est en constant. Rien de plus, rien Acte ta vérité. Tu dis que tu parles au fait, tu dis que euh, j'en sais rien en fait, peu importe ton délire, tu dis que euh, pour toi, tu, tu ressens de toi que... En fait, qu'est-ce que tu ressens de toi Dans ton propre regard, qu'est-ce que tu ressens C'est qui Claire Comment elle est Claire Et ça, euh, ne répond pas à cette question mentalement. Acte-le dans ton quotidien. Acte-le dans le tissu. Extrêmement important. Il n'y a pas d'autre. Arrête de vouloir comprendre. Et c'est normal d'avoir peur. Là je suis en train de contacter de la peur. C'est normal d'avoir C'est ok d'avoir peur. Prends la peur et acte-la. Prends le dédain que tu as. Et acte le prends ce côté je veux tout savoir et acte le l'action c'est le corps la clé pour toi spécifiquement pour toi ce soir en fait et rien de plus magnifique que d'acter sa vérité de marcher sa vérité comme ça. de marcher sa parole marche ta Arrête de ravaler tes Arrête de ravaler tes Acte. Acte ton désespoir. Acte. Il n'y a rien de plus à dire. Vraiment. 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 Avec amour et mérite. <laughs> Ça c'est une belle soirée. Ça hmm. Notez que dès que je m'investis à 100%, raison hein, sûre. Parce que il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail fois en me disant Bon, pourquoi euh, je fronce les sourcils Parce que, parce que dans le tu, j'ai l'air beaucoup de pointer du doigt. Je suis aussi dur, enfin aussi dur, c'est pas être exigeant, <laughs> être. Pourquoi Parce que si je ne suis pas direct avec toi, je ne le suis pas avec moi. Je, je me connais assez pour au... savoir à quel point je m'enferme dans. Je me connais. Et C'est bien pour ça. Ma méthode pour travailler sur moi. sur moi comment à travers toute la méthodologie déjà être direct être transparent être sans concession parce que je suis sans concession à et vraiment quand je m'investis à 100% parce que en fait je me parle à un, à un autre niveau je me parle vraiment L'autre manière que j'ai travaillé sur moi, c'est un protocole que j'ai construit. Euh, c'est le stage jeu d'évolution, donc c'est un stage en forêt, où j'apprends aux gens à se remettre en lien par le corps, par les jeux, par des jeux de construction précisément, avec l'environnement. L'environnement de la forêt. Et donc avec l'environnement humain, parce que j'accompagne les gens. Donc, dans ce stage, je transmets ce protocole. Je transmets ce protocole qui utilise le corps, forcément parce qu'on bouge avec notre corps, qui utilise les matériaux de la forêt, parce qu'on fait du landard, donc on construit des choses. Et en se mettant en lien avec l'environnement, en, en fait, interagissant avec l'environnement et avec les énergies du le groupe travaille sur lui-même. Et c'est tellement ouf. Je vous assure, l'été dernier j'ai fait un stage, euh, c'était Forêt euh, la des Landes, mon Dieu. Mais c'était tellement, tellement, tellement ouf. Tellement précis. Tellement léger aussi de jouer, parce qu'on ne fait que jouer durant trois jours. Ça. Euh, on serait à chaque fois, à chaque jeu, à chaque construction, à chaque modification de la construction, on se remet au diapason avec soi-même, on se réconcilie avec soi-même, et donc on se réconcilie avec le lieu, on se réconcilie avec les autres. C'est un espace de libre expression totale. Et à la fin de chaque journée, puisque toute la journée, on ne fait que jouer, 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 et encore jouer. De 10h à 17h, on ne fait que ça. Donc typiquement, pour toi, Claire, ce serait vraiment le truc idéal, reconnecter au corps. Euh, à la fin de, de chaque journée de stage, j'exprime quand même à la personne, que la personne comprenne intellectuellement et mentalement, qu'est-ce en fait, qu qui a été harmonisé dans sa vie, et, dans, et donc elle peut me poser toutes les questions qu'elle veut aussi. Et donc, n'hésitez surtout pas, à, si ça vous intéresse, il y a un stage à la forêt de l'Escandorgue. C'est à Pujol, de mémoire. Ce sera du 21 21-22, 23 juillet, donc jeudi, vendredi, samedi. Donc du jeudi au samedi, on ne fait que jouer. On joue. Et donc c'est aussi un protocole que vous pourrez aussi vous utiliser avec vous-même dans votre vie. Euh, même faire des soins avec. Il enfin, n'y a pas de souci. Et donc, euh, bah, ça, je vous apprends ça. Je vous mets le lien en description dans le dans le chat. Si vous avez des questions par rapport à ce stage, souhaitez en savoir plus, bah n'hésitez pas à me contacter via mon site internet amuelanibal.com. Le lien en description. Euh, et puis voilà. Si vous voulez vous inscrire, bah n'hésitez surtout pas. Allez-y, c'est un stage qui se coûte 300 euros sans, euh, bah, sans l'hébergement et sans la alors, après Claire, c'était. Salut à toi, Elena. Je viens depuis. Sont de Sylvie. Bonsoir, Samuel. Pourquoi je n'arrive pas à me lancer dans une activité de. The sketch, nothing, je sais pas ce que c'est, mais ok. Auprès des coachs et thérapeutes, qu'est-ce qui compte Alors, qu'est-ce qui compte chez toi dans le fait de te positionner socialement, d'être en face de gens qui sont considérés euh, comme étant des professionnels, que tu considères toi en tant que professionnel et que toi, évidemment, tu n'es pas une professionnelle et donc que tu dois. C'est comme si tu que étais une enfant et que tu expliquais la vie à un adulte. Ah euh, ouais, pas ce qui se cloche. <laughs> non, en fait, c'est vraiment ça. C'est hein. que tu es dans un mode où tu te places plus bas que terre, pensant que ce sont, ah oh, mon dieu, des thérapeutes. hommes. Oh, bon. Et en fait, euh, tu es en train de parler à des gens qui font aussi caca. Hein. C'est pour ça que t'as peur de te positionner. T'as peur du positionnement, tu as peur de qu'on pointe tes erreurs, comme si tu venais auprès de moi pour euh, euh, lancer ton activité. Et je sais pas, t'avais peur que je te dise, t'as peur que je te dise, ah bah là tu fais pas bien, ah mais là aurais dû faire ça. En fait, c'est pas mon rôle. Tu viens en tant que prestataire de service. À, encore une fois, assume ton délire jusqu'au bout. Lancer une activité, c'est se positionner socialement. C'est dire voilà mon délire. Voilà ce que je ressens comme étant vrai chez moi. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour toi. Je sens que tu as des sortes de scrupules. scrupules. Tu des scrupules à, te, euh, à dire. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que je désire. Ah, et derrière, il y a une notion d'argent aussi. Hein. tu euh, ne sais pas comment faire de l'argent avec toi. Et pour toi, ah non, c'est pas ah, C'est que tu peux pas. interdit de faire de l'argent. C'est quelque chose qui... Donc en fait, tu es, la... es dans la croyance que si tu fais de l'argent, c'est forcément, forcément, forcément que tu fais un truc qui t'emmerde et qui te concerne pas du tout. Type, euh... comme si je te disais, bah as... En fait, as des talents d'artiste, artiste né. Et tu travailles en tant que comptable. Parce que tu choisis un métier qui n'a rien à voir avec toi. Et plus est décalé, plus ça veut dire que tu es à ta place. Et en fait, c'est parce que tu, tu réponds positivement à une, à une injonction, pardon. À une injonction de l'autorité. L'autorité que tu projettes à l'extérieur. Euh, ok. Parce que... Tu crains qu'on ne te juge personnellement pour ta création. Tu crains qu'on ne te juge personnellement euh, que ton activité, comme ton acti en fait, comme ton activité est l'extension de qui tu es, tu penses qu'on va te juger, toi. Donc, c'est impossible. Et tant que tu es lié émotionnellement à ton activité, que tu penses que ton activité, c'est toi, et eh bien euh, tu rien. Alors bien sûr, c'est contradictoire. Mon activité se base à partir de toi. Se base à partir de ton délire personnel. Se base à partir de ce que tu vois dans la vie que, que tu trouves bizarre. Que tu dis eh hey, mais il manque ça. Donc du coup je peux en faire une activité. Je peux me faire payer grâce à ça. Mais en même temps, tu n'es pas toi. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ton corps. Euh, donc, je reviens à cette notion d'autorité. Oui, je reviens à cette notion. Te lancer dans une activité, ça veut dire te séparer. C'est-à-dire que tu vas prendre un bout de toi qui est très précieux pour toi, tu vas le mettre à l'extérieur, tu vas faire rentrer ce bout de toi dans le cadre légal. Société dans laquelle tu vis, ça veut dire que tu vas être séparé de toi. Et c'est parce que cette part-là va être, être une pauvre petite part de toi euh, qui, forcément, n'a pas de pouvoir, qui euh, ne peut rien faire de ses dix doigts, que tu dois jouer les mères poules. En fait, tu pas à jouer la mère poule. Donc, il s'agit pour toi de reconnecter le masculin c'est-à-dire la mise à l'extérieur, c'est-à-dire la séparation, c'est-à-dire prendre un bout de toi et le mettre à l'extérieur. Prendre un désir et exprimer ton désir, acter ton désir, vivre ton désir. Et faire en sorte que les gens soient au contact de toi à travers l'interface nommée. Rien ne peut te détruire. Voilà la clé. pas parce que tu mets un désir, une envie, un objectif que tu matérialises dans la que tu vas en être dépossédé. Tu n'es pas dépossédé lorsque tu fais ça à l'école. Donc, jouer les mères. Derrière, mer, derrière ce côté merpoule, il y a un côté hyper inquiète, hyper euh, angoissé de la vie, angoissé de l'avenir, angoissé de ce qui va arriver. Et ça, ça te fait être décalé de ton pouvoir au présent, ton pouvoir dans le maintenant. Et il est extrêmement, extrêmement, extrêmement important que tu saches que ton pouvoir, ça, se, ça ne se limite pas. Parce que tu peux contrôler comme si tu voulais contrôler le futur. Ton pouvoir, c'est pas d'esquiver de la pluie, c'est de danser dans les gouttes. Tu vois. Et donc, accepte que l'autre, et ça c'est la clé, accepte que l'extérieur te transforme. Parce que en fait, c'est ça. Toi, tu as une vérité, as ta vérité personnelle, et tu veux absolument qu'elle reste... Euh, comment je pourrais dire Qu'elle reste intacte. C'est pas possible. Quand tu es en contact avec les autres, quand tu es dans, dans, dans un contact véritable, dans un lien avec l'extérieur, quand tu es en, je sais pas, en relation avec quelqu'un, ton monde transforme le sien et le sien transforme ton monde. Et ça, c'est une loi universelle. Peur d'être transformé. Et donc, tu as peur de toi transformer le monde des autres. Ce qui coince, c'est ça. Airpool et tout ce que je t'ai dit. Voilà ce que je peux Passe une belle soirée, Sylvie. Alors, une question de Sonia. Bonjour Samuel. Après quelques tentatives, pourquoi je n'arrive pas à de la... De la cigarette ou de la cigarette électrique Alors, la cigarette, euh, qu'est-ce que ça envoie Adapté derrière un écran. OK. Il y a une mise en lien qui est difficile. Tu as besoin d'être en lien et en même temps tu n'assumes pas d'être en lien. Il y a un côté très ambivalent à côté. Et donc la cigarette devient une sorte de, de lien social mais qui en même temps étouffe la relation à la mère, la relation à ce qui dit te... Ah mais en fait ta relation inconsciente à la mère t'étouffe. Donc en fait tu viens étouffer. Tu viens un peu... Comment je pourrais dire Tu viens invisibiliser ce qui t'étouffe. Tu viens invisibiliser euh, ce qui n'est plus en cohérence avec toi. Et t'attaches à ça. Parce que ton rapport inconscient à la mer, euh, tu n'as pas envie de le remettre en cause. En tu fait, n'as pas envie de te... Réellement. Il y a un côté très fuyant. Un côté très fuyant qui en même temps te permet d'avoir des ressources. Et, euh, je suis à distance, je peux analyser. Pas analysé, tu ne vas pas analyser, tu peux Analyser, ça renvoie à du mental. Fonde sur ce que tu vois consciemment, signe dans la matière, elle. Euh, la perception renvoie à quelque chose qui n'est pas perceptible dans le physique, euh, mais qui transmet. En fait, il y a une détresse chez toi qui est liée à tes relations, oui, enfin, ou plutôt une détresse qui se révèle dans un cadre relationnel. Et tu ne sais pas quoi faire sans les autres. C'est la croyance. Tu basé sur la croyance que les autres te nourrissent. Euh, et que les autres ont tout pouvoir. Ça, ça fait le point. Ouais. Détresse. Donc, pour couvrir ta détresse, en fait... La, la cigarette est la manifestation concrète de ta. Ensuite. Alors, on continue sur la détresse parce que vous avoir. Euh... Sous cette détresse il y a le il y a la dynamique de ne pas être à ta place le sens ne pas être à ta place mais tu ne sais pas Ouais, tu te sens ne pas être à ta place mais tu ne sais pas comment être à ta place. voilà ce que je peux et ok et inquiète en de contacter l'inquiétude une dynamique de je suis inquiète c'est pas ce qui va se passer. Il y a quelque chose par rapport à la relation, il y a un gros 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 dossier par rapport à, tes parents, à la relation avec par parents. Comment tu gères inconsciemment ces deux énergies là côté masculin papa côté féminin maman. Peut-être même que chez toi c'est un Parce que tu n'oses pas remettre en cause tes rapports de pouvoir te place en petite fille, tu te place dans cet archétype, parce que c'est l'archétype, donc c'est un archétype qui contient des fonctionnements, qui contient des choix. Euh, cet archétype va, tu as choisi cet archétype parce que, parce que ça te permet de ne pas totalement vivre ta vie et vivre tes désirs. Notamment, c'est euh, toi, il est notamment euh, désir lié à la sexualité, c'est pas forcément être dans un lit avec quelqu'un. Ok, en fait, tu as des revendications dans ta vie que tu n'acceptes pas de révéler et donc tu te, te rues sur la cigarette pour en fait, compenser la frustration. Après, la... voilà. voilà ce que je pourrais dire à peu près pour toi. Il y a autre chose, une petite clé quand même. Euh... Bah, exprime tes frustrations. Au lieu de fumer, au lieu de... Expire tes frustrations. Ça signifie que tu vas forcément... Euh... Ne pas forcément aller dans le... Tu vas, être, tu vas potentiellement être contre l'autorité extérieure et donc contre la vie des gens, contre un positionnement d'une personne, que c'est ok. C'est ok d'aller contre. c'est pas parce que tu, tu n'es pas d'accord avec la vie de quelqu'un, que tu fais quelque chose de contraire à l'éthique familiale, que tu n'as plus de lien. De choses totalement différentes. Et donc, euh, pour ta structure, un lien, ça peut être positif, ça peut être négatif. C'est-à-dire que tu peux vivre un lien de manière positive, dans ce cas-là, tu es totalement ami avec la personne. Tu peux vivre un lien négativement, où là, ça va être ta pire ennemie ou ton pire ennemi. Mais il y a toujours... Et voilà, avec ça, c'est bon. Bonne soirée à toi, Sonia, et merci pour ta question. D'ailleurs... Si vous êtes intéressé pour euh, aller beaucoup plus loin dans le, ce que je peux vous dire, ce que, vous, ce que je peux vous décrire, parce que là on fait qu'effleurer la surface, je reste toujours moins de 10 minutes avec chacun. Pourquoi je reste moins de 10 minutes Parce que c'est vraiment mon. Euh, c'est euh, ce que je suis capable de supporter. Hein. Et ne euh, pas faire plus. Pas possible. Ça, c'est plus possible pour moi. Donc, si vous êtes intéressé pour aller beaucoup plus loin. Bah évidemment, je fais des sessions individuelles. Une session d'une heure c'est 82 euros. Et sinon, je propose aussi ce qui s'appelle de la chirurgie informationnelle, où là je vais voir, au lieu de répondre verbalement et de communiquer avec votre structure par la verbalisation d'informations, je vais voir et je vais réinformer votre corps, réinformer vos organes directement. Et donc j'ai une action directe sur vos organes. Sur euh, le système lymphatique, sur le système cardiovasculaire, sur les os, sur, euh, bref, la circulation sanguine, etc. etc. Et donc, euh, en gros, comment se passe une session de chirurgie à Donc, ça coûte 90, un peu plus de 90 euros, peut-être, 12 euros, je sais pas. Euh, vous me posez la question, ou vous m'exposez votre situation. Moi, euh, je fais ce que j'ai à faire. Donc j'agis, donc c'est à distance et c'est forcément par, web, par webcam parce que j'ai besoin de voir la personne. Et à la fin de la session, je vous donne vraiment le minimum d'informations au niveau mental. Donc si vous êtes intéressé pour travailler plus en profondeur, au niveau individuel, eh ben soit vous me, prenez une, vous me prenez une séance de claire information, soit vous me prenez une session de chirurgie informationnelle. Et dans ce cas-là, bah, la chirurgie informationnelle, c'est on passe par le corps pas et donc je vous donne le minimum d'informations au niveau mental donc ça permet que des gens qui sont très 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 mental puissent se reposer parce que le mental n'est pas tout le temps la solution et pour les gens qui ont besoin de passer au niveau mental et eh ben on peut prendre une question et pour me contacter c'est toujours via mon site internet rubrique euh, formulaire de compte Ensuite, euh, une question de Lauriane. Coucou. En ce moment, je suis hyper sollicité de l'extérieur. Côté Pôle emploi, embauche, entretien. En mode, je dois faire mes preuves, alors qu'intérieurement, j'ai juste envie de m'effondrer, etc. Ouais. Euh... Alors. La question est est-ce que tu prends le temps de... Est-ce que tu crées un cadre ou trouves un cadre dans lequel tu as assez confiance tes... Est-ce que même si tu avais les conditions idéales, est-ce que tu as réellement posé le choix voilà la question qui se pose c'est qu'il y, a... y a quelque chose qui n'est pas prêt comme si tu le veux tu sens que ça arrive tu sens que c'est là mais en même temps il y a une sorte de de résistance retenue à totalement rentrer dans cet effort. Et même sans dire totalement rentrer, il y a quelque chose qui. comme si tu reten, comme si avais avalé quelque chose de toxique et que ta seule solution c'était de vomir, mais que pour toi, vomir, euh, tu dans une soirée et tu vas vomir. Euh, pour toi, c'est les gens vous entendre que ni pas vomir s'il y a d'autres personnes, euh, je veux que personne ne me voit. Et donc c'est vraiment l'élan d'un animal qui se, euh, qui se cache pour mourir. Il y a vraiment ce truc. Comme si tu voulais te cacher pour tes et c'est voilà, voilà ce que je ressens déjà. Par rapport à ton site même si tu t'effondres c'est vraiment une notion de mise en lien si tu t'effondres, il y a la nécessité d'être en lien avec un environnement ou avec une personne et il y a une retenue sur ça et donc ça fait deux niveaux contradictoires l'un où tu veux vraiment euh, ah bah je vais en avant, je veux... Euh, et c'est un, un mouvement qui est véritable. Et temps il y a un autre mouvement, qui est, il y a une autre dynamique qui est aussi véritable, qui est que, en fait, je veux me retenir. Enfin, je veux me retenir. Je choisis de me retenir. Il y a une notion de confiance, il y a une notion de défiance, parce que tu ne fais pas totalement confiance. Tu n'es pas totalement à 100% en confiance. Dans cet hypothétique cadre, environnement, relation dans laquelle tu pourrais te déposer. Il y a toujours quelque chose qui te fait piquer en arrière-plan, comme si tu ne peux pas avoir totalement confiance. Et là, ça, le retour de ton système, c'est il n'y a rien de plus sûr que moi. Rien n'est plus sûr que moi. Et c'est quelque chose de très impératrice. Un côté très euh, pas dans le monde. Ce que je suis en train de contacter chez toi n'est pas dans le monde. Re, une part qui refuse de rentrer dans le monde, d'être en lien avec le monde. Comme une impératrice, comme tous ces énarques qui nous dirigent. Hein. Ils sont totalement, mais hors réalité de la vie quotidienne de la majorité des gens en France et ça fait un peu ça c'est un côté très fier voire un but de sa personne à ce niveau là et c'est ça c'est cette énergie là qui maintient le système qui dit au système et qui dirige le système et donc qui, qui donne l'ordre au système de surtout tu ne lâches pas Sachant que tu n'es pas obligé de t'effondrer à 100%. Tu as le droit de demander de l'aide, Laurie. C'est super important. C'est comme, je sais pas, un chat qui aurait été abandonné, qui est mort de faim, et sur les, sur les, qui a les crocs et qui sort les crocs et les griffes. Et dès qu'un humain s'approche, le trouve. Et dès qu'il l'approche la main pour le prendre, l'amener chez lui, le soigner, et même, et même s'il lui donne de la nourriture, et le chat le griffe. C'est un peu cette notion-là derrière, cette dynamique-là, sous le côté impératrice. Voilà ce que je suis en train de contacter. C'est-à-dire que dès qu'il y a tentative de mise en lien, tu sors les griffes, tu mêles la distance. Alors qu'il y a un besoin réel, une priorité vraiment d'accepter la mise en lien, même si elle met, elle met, même si elle met à jour un aspect de toi dont soit tu n'as pas l'habitude, soit que tu refuses de montrer. As le droit tu as le droit de d'être épuisé c'est ok enfin, quand on est épuisé on demande de l'aide exprime il y a peut-être des gens autour de toi qui pourraient t'aider peut-être même que euh, la personne euh, chez euh, Pôle emploi machin pourrait t'aider et donc rien ne t'oblige à rester seul rien ne t'oblige à rester seul. Voilà la partage qui... Et oui, là je sens bien que ça t'arrache le ventre, que ça te, ça, te, ça te ramène à des sensations de, de, de non-confiance, mais vraiment de terreur de l'autre, de peur de l'autre, de méfiance. La meilleure manière de prendre soin de toi, c'est quelque part d'aller contre ce système, d'aller contre cette, ces dynamiques que je t'ai exprimées. C'est-à-dire, c'est peut-être en te en acceptant que bah, tu ne peux pas tout faire toute seule. Là, tu es en train de te flinguer. Et donc, la clé que je te propose, c'est accepte d'être soumise à l'autre. Parce que lorsqu'un enfant malade, blessé, ou peu importe la situation, quand un autre être est dans les bras de quelqu'un parce qu'il en a besoin, bah il est soumis, cet être est soumis à l'autre. C'est aucun on a besoin de ça. Tu a besoin. Voilà ce que je peux dire. Laurien. Alors, l'autre question, c'est de Octave. Je n'arrive pas à connecter les énergies. À reprendre mes études, ça ne dure pas longtemps. Okay. Je connecte à ton corps à partir Esprit et de certaines parts psychiques. Le truc c'est de connecter à ton corps, pas d'avoir un intermédiaire. Pose, essaies de poser une autorité sur ton corps, et... psychique, mental, intellectuel. Et ok, pour toi, il, il s'agit de te, de te dire les choses à toi. Donc, est totalement en PLS par rapport voilà ce il joue. Il joue. Est à ce qu'il joue. Donc, comme se fonde sur une autorité euh, paternaliste connecté à ton corps tu te connectes par rapport à ça par enfin, l'autorité particulière juge mais derrière c'est te sens vraiment démuni par rapport à ton corps Soit, euh... le corps te fait bugger être en lien avec ton corps. c'est pour toi un effort. c'est pour ça que il y, y a quelque chose. Euh, ton corps, c'est juste une passerelle pour tes ressentis, tes pulsions, tes besoins, tes émotions. Et donc, il est réellement, réellement, réellement nécessaire d'aller. il s'agit pas de guérir, mais d'aller créer un cadre, d'aller voir aller voir les besoins. Mmh. Euh, pourquoi Parce que tu perçois ton corps comme étant inutile. Ton corps sert à rien. Voilà ce que ça dit. Comme si tu perçois ton corps comme étant inutile. C'est un corps. Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. C'est comme si... Euh, pas tu vois un robinet c'est un robinet mais tu cales pas que, et tu cales pas que le robinet si tu, tu tournes le bouton et ben de l'eau va sortir et en plus t'as soif c'est parfait le match ah. et tout le truc est là c'est que il y a vraiment Côté, le corps est inutile le corps est, est hautement utile pulsion besoin envie le corps est utile ouais, de te connaître. comme si tu avais la prise de chargeur de ton téléphone tu avais bien plugué la prise à ton téléphone il te manque plus que qu'à la prise murale et essaye de pluguer la prise murale à 3 mètres de la prise vas jamais arriver et c'est ce que tu fais avec ton corps tu es, es très très loin dans la psyché et essaies de te connecter à ton corps et tu fais ah ça rien le corps rentre c'est-à-dire, laisse-toi aller. Ce n'est pas toi qui connectes. C'est les énergies du corps qui te submergent. Et pour ça, tu as besoin d'un cadre qui te met en sécurité. Et chez toi, ça me parle beaucoup plus de personnes que de cadre environnement. Je trouve une personne, euh, fais de l'impro. Limite, c'est ça qui me vient. Si je te parle vraiment d'une solution concrète, c'est tu as besoin d'une personne avec qui jouer les émotions. Et en jouant les émotions, eh ben, tu vas pouvoir euh, jouer, à dire enfin, tu vas pouvoir, toi, vivre tes émotions. Tu as besoin d'un partenaire de jeu pour pouvoir euh, exprimer, expulser, parce que l'autre est un support de projection et c'est OK. Et c'est ça qui te fait redescendre trouve un ancrage quel qu'il soit te permettre donc une solution temporaire et qui te permette de redescendre dans ton corps non pas à partir de ton esprit mais d'être enfin tu n'es pas ton esprit tu n'es pas les concepts et ça tu le captes pas et donc tu as vraiment besoin de mettre les, les mains dans le cambouis joue des jeux de scène des partenaires de jeu, un partenaire de jeu, une partenaire de jeu. C'est ok. Euh... Il ne s'agit pas, de... encore une fois, il ne s'agit pas de connecter. Les énergies de ton corps arrêtent de vouloir et les les découper en, en, en éléments chimiques. Utilise-les. Il s'agit vraiment d'utiliser. Et donc, pour ça, il y a la nécessité que tu vois que tu es en détresse. Il y a une véritable détresse. Angoisse. Qui est plus fort que qui Survie. Et tu penses ne pas être à la hauteur. Ouvre une personne aux ressources. Et avec des aides personnes aux ressources, ouvre la porte d'autres. Petit à petit, joue des jeux de scène. Des jeux de scène, ça ne veut pas dire que c'est fake. Vraiment, je joue des jeux de scène. Que je... bonne soirée à toi alors question de vam pourquoi lorsque je me concentre je me concentre sur moi comme tu l'avais conseillé par étouffer Euh... On va aller voir l'information derrière ça. Il y a un truc que tu supportes pas. L'énergie sous-jacente à tes douleurs physiques, tu la supportes pas. Euh l'avoir non Il y a quelque chose de totalement insupportable pour toi euh, à reste à être en contact avec euh, avec ces avec cette énergie. donc il y, a un, il y a quelque chose d'hyper euh, quoi ça tu, tu la fuis du coup en fait les les douleurs sont préférables à Vivre tes énergies consciemment. C'est le choix que tu as posé. Donc, il y a une énergie ancestrale qui. C'est une énergie ancestrale que tu n'arrives pas à supporter. C'est comme si je te disais, mais c'est le poids. Euh... Ouais, c'est ça. C'est le poids de ta famille. C'est toute la pression qu'on a, euh, qu a pu mettre sur toi depuis, euh, depuis ta plus grande enfance derrière. Donc, c'est le poids des responsabilités. Ça, c'est quelque chose qui. Le poids des ancêtres. Hein. Latent Ah, voilà, c'est Et donc, il y a quelque chose qui est clairement insupportable. C'est pour ça que tu vis, quelque part, ta manière de te. Comment tu peux hmm. clair au sein de l'arbre familial. et Il y a quelque chose qui est euh, pour toi pas naturel derrière cette énergie, pas enfin, dans cette énergie. là Le fait même que cette énergie, ah oui, ok c'est ça. En fait, tu trouves ta famille totalement pas naturelle. Donc quand je dis famille, c'est pas uniquement les personnes que tu connais. C'est euh, en fait tout l'arbre familial, donc même les personnes que tu connais pas. Et... Ouais, donc tu trouves ta famille totalement pas naturelle. Il y a un truc de... Non. Personne ne m'entend Mais qu'est-ce qui se passe avec le micro aujourd'hui C'est bizarre parce que moi j'ai un retour micro dans mes, euh, dans mes écouteurs et moi je l'entends bien. C'est ça qui est chelou. Je peux, je peux vraiment rien faire, mais tu pourras voir, euh, tu pourras voir le rire de Ripley, Vam. Donc du coup, tu fuis tes ancêtres. Tu fuis la responsabilité, tu fuis ton positionnement. Pourquoi Parce que tu trouves, le, euh, tu trouves ta famille, mais totalement chelou. Et donc, euh, c'est mort. Rien n'est plus difficile pour toi que de... Rien n'est plus, plus difficile pour toi que de... d'être en face de ta famille. C'est vraiment ça. Voilà la, la croyance de fond que je suis en train de contacter chez toi. Vam. Ce côté... Euh... Non, je préfère sûr. Et c'est comme si tu dis, tu devais dire à ta famille que. Je sais pas, t'es gay. Ou que t'as mangé des pâtes à midi. Je prends du, du, plus, du plus important dans une vie au moins important. Et bah, pour toi, c'était même les pâtes au gruyère. Euh, ah, mais personne ne mange du gruyère dans la famille. Ça va Tu vois, c'est un peu ça le truc. Et donc, tout l'enjeu pour toi un enjeu de positionnement par rapport à ta famille et c'est ça l'énergie que tu supportes pas c'est en fait quand, quand je touche ta structure euh, ça me branche sur ton corps c'est à dire que je sens cette énergie traverser ton corps et surtout ton squelette de part en part et c'est quelque chose qui t'est insupportable c'est pas les douleurs qui sont insupportables c'est ça qui est insupportable pour toi ce n'est pas les douleurs qui t'étouffent, c'est la famille qui t'étouffe. Et l'enjeu, la clé, euh, bah c'est le principe de liberté en fait. C'est le principe de positionnement. Comment tu pourrais te positionner dans un collectif, qu'il soit familial, professionnel, amical. Ouais, bah... Je te dis pas de les voir, va hein. te, mon, Ce que je dis, c'est pas euh, va voir ta famille. C'est positionne-toi dans un collectif. Parce que derrière, c'est le, c'est de la haine. Derrière, il y, y a des émotions, il y a le poids des émotions énormes que tu, que tu... que tu retiens, que tu refoules, en fait, pour toi surtout. Et tout l'enjeu pour toi c'est de les libérer tout ça. Voilà la priorité. Et voilà pour ma réponse. Merci pour ta question. Blablabla. Euh, bla, bla. Ah oui. Oui, euh, bah c'était le. La formation, c'était le 4, c'était ce lundi-là. Lauriane, donc normalement... Je t'ai envoyé, j'ai envoyé. Euh, si vous souhaitez vous inscrire à la formation, communiquer avec la structure inconsciente, euh, envoyez-moi un mail en disant bah, inscription formation, voilà mon email, et euh, moi je vous rajoute à la liste. Je vous rajoute à la liste, et on va dire euh, un jour avant ou le jour même, j'envoie le lien. De euh... j'envoie le lien euh, Zoom aux personnes qui sont, euh, qui sont dans la liste et ensuite bah, chacun décide s'il vient ou vient pas et s'il vient bah, si c'est sa première fois c'est gratuit si c'est sa deuxième ou plus et eh ben c'est 26 euros euh... bah attends je suis en train de formation parce que normalement, je fais un copier-coller de la liste. Donc... Euh... Alors. Ah bah... Je t'ai loupé. Ouais. J'ai dû louper ton mail, euh... Lauriane, Bon bah, la prochaine fois, tu l'auras, je ferai attention. Ok question d'Ophélie je me demandais, je fais de l'anémie hors médical, je suis cela peut-il être en lien avec ma situation personnelle actuelle, alors sachant que je, je ne me souviens absolument pas de, de ta situation actuelle, je vais voir ce que euh, ce que renvoie euh, ce que renvoie l'anémie l'anémie, mise en action trouver, mes, euh, trouver ce qui me nourrit ah oui ok c'est un lien de le, le sang c'est ce qui te nourrit hein. pourquoi parce que euh, lorsqu'on est euh, dans le ventre de sa mère c'est le cordon ombilical qui nous nourrit hein. c'est des échanges sanguins euh, donc c'est qu'est-ce qui te nourrit Sur, comme s'il y avait telle action je sais pas euh, jardiner ça te nourrit à 50% Parler à ton voisin euh, euh, de je sais pas trop quoi dans le quartier c'est euh, du 5% et je téléphoner à ta mère c'est du euh, c'est du, euh, du 90%. Et en fait c'est arriver à trouver à te positionner dans bah en fait j'appelle maman parce que c'est ça qui va me nourrir. Et chez toi on est là, c'est l'anémie renvoie euh, encore un en rapport à la mère, dis donc. Ouh là là là. Il y a du lourd derrière. Hein. D'ailleurs, il y a du lourd. En gros, passe à l'action, Ophélie. Brise le miroir des apparences. Il y a vraiment, il y a vraiment, 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 vraiment de ça. Brisez le miroir des apparences pour pouvoir toi être libre. De tes mouvements. Et pour ça, briser le miroir des apparences, ça, euh, il est nécessaire d'aller reconnecter un peu la haine. C'est l'énergie de la haine. L'énergie de la haine, c'est. Euh, c'est un, un volcan qui gronde, en fait. C'est un volcan dont la lave commence à sortir et l'éruption commence à naître. C'est une énergie qu'on ne peut pas contrôler. Voilà. Et derrière cette haine, il y a des besoins qui ne sont pas respectés. Besoin d'amour. Besoin de contact. Ouais. Déjà ces deux-là. Et ça, c'est ta priorité. Mais comme toujours, il, faut, il y a la nécessité de l'acter. Vraiment, acte-le. Comme je le disais tout à l'heure, marche ta parole. Marche tes émotions. Marche cette haine, c'est OK. L'anémie renvoie clairement à ça. Et donc ça te renvoie à toi et à toi seul. Donc c'est-à-dire que... La haine, elle est là pour te mettre en valeur. Mettre en valeur certains aspects de toi qui sont réellement, réellement, réellement essentiels, que tu, que tu connaisses et que, que tu expérimentes de toi. Ouais. Franchement, c'est le le point central chez toi. Voilà ce que je peux dire. Bonne soirée à toi, Ophélie. Bye. Je récapitule pour ce mois de juin, le 20 juin, lundi 20 juin de 19h à 22h, formation communiquer avec la structure inconsciente. Euh, formation qui est en fait un espace d'expression où euh, on apprend à exprimer de manière directe et authentique son regard. On apprend ce que c'est la claire information, on expérimente ce que c'est la claire information. C'est un espace de libre expression. Et donc, je vous fais jouer entre vous et je participe aussi. Et en fait, on fait de la clairvoyance, on fait de la claire information sur chacun d'entre nous. Et donc la claire information, c'est quoi C'est lorsqu'on exprime son regard de manière directe, authentique, transparent et le plus honnête possible. Et ça permet à l'autre personne de contacter et de se connecter de manière corporelle, vibratoire, émotionnelle, mentale aussi, à sa vérité, à ses priorités de vie. Et donc en fait, c'est un cercle de lundi par mois c'est un cercle euh, de partage un cercle de communication véritable donc si c'est la première fois que vous venez euh, la session est gratuite comme ça vous pouvez tester de manière libre si ça vous convient ou pas et si c'est la deuxième fois ou plus bah c'est 26 euros le deuxième mmh. rendez-vous pardon j'ai buggé le deuxième rendez-vous, c'est euh, l'atelier Harmoniser sa vie. Donc ce sera le lundi 28 à partir de 19h30. Euh, je ne donne pas l'heure de fin parce qu'il n'y a pas d'heure de fin. Ça s'arrête lorsque plus personne n'a de questions. Et donc pendant une heure, deux heures, la dernière fois ça a duré je crois deux heures trente, trois heures, voire plus, je sais plus. Eh bien, euh, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et bien moi, ben, comme je le fais ici, euh, enfin, presque, comme je le fais ici. Je me branche sur votre système, sur votre structure inconsciente, j'exprime vos priorités, euh, je vous aide à désamorcer ce qu'il y a à désamorcer, et je peux, passer je, peux passer, je passe, je, je crois, un minimum 20 ou 30 minutes par personne, et après, chose que je ne fais pas le mercredi soir, je renvoie l'information dans le groupe. Donc j'exprime simultanément quelque chose pour l'individu. Et ensuite, je donne aux autres personnes des clés par rapport à la problématique de l'individu. Et donc, encore une fois, bah, ça s'arrête quand ça s'arrête. Ça commence à 19h30, mais ça pourrait très bien terminer à minuit, si c'est nécessaire. Euh, ça coûte 51 euros. Et avec bah, vraiment question totalement illimitée. Et ensuite, le pour juillet, le 21, 22 et 23 juillet, euh... Stage en forêt, jeu d'évolution où bah on va aller se réharmoniser, se reconnecter à des énergies qui sont euh, qui sont euh, qui sont vraiment en cohérence avec soi à travers le jeu. On va jouer en forêt, on va s'amuser à construire des trucs, on va s'amuser à, à déconstruire des choses. À... Vraiment, c'est que du jeu pendant trois jours. Donc si vous voulez plus d'informations j'ai mis les liens sur le chat et sinon c'est sur mon site internet euh, rubrique calendrier ok et du coup je prends la dernière question de ce soir de cécile hello je sors de ma grotte de plus en plus mais pourquoi j'ai du j'ai du mal encore à cela alors qu'être enfermé me donne des angoisses et qu'être extérieur me rassure c'est une question de temps. C'est réellement une question de temps avant que... Euh, en fait, il y a... Okay, avant que. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a... une part de toi qui a pas compris ce que tu viens de me dire. Qui a pas intégré que être à l'intérieur, cette angoisse et être à l'extérieur, c'est euh, rassurant. Il y a quelque chose qui est pas contre nature, mais totalement bizarre et totalement inverse à ce que tu croyais habituellement. Et comme en fait tu te fondes sur cette part pour exprimer ta vérité. Et donc c'est comme une paire de lunettes qui te ferait voir le, que le bas est en haut, que la droite est à gauche. Donc du coup, euh... ok, c'est au niveau émotionnel que ça joue. C'est les conséquences émotionnelles. Parce que voir qu'à l'extérieur que ça te rassure et qu'à l'intérieur ça t'angoisse. Euh, c'est attends il y a un truc ça vient de m'échapper merde j'aurais dû le lire directement euh... bon je vais reconnecter l'info ça, va. ça va revenir euh... je trouve rien à redire à cette part il y a un truc qui est tu remets pas en cause voilà, en fait, cette part c'est comme une paire de lunettes, voilà c'est ça. Et donc, euh, t'es là à ne jamais remettre en cause. T'as peur d'avoir tort, voilà c'est ça. Cette part repose sur un, hein, je ne veux, je ne veux qu'avoir raison et je refuse d'avoir tort. Et donc, bah forcément, même s'il a la preuve par A plus B que, euh, bah en fait, pas, euh, bah, la Terre est ronde. En fait, euh... <laughs> il va dire non, la terre plate, alors que le mec est dans l'espace dans un satellite, tu vois. Et euh... ouais, le nœud dans le ventre il est normal parce que c'est une conséquence émotionnelle. C'est, Ça vient changer ton monde émotionnel, ça vient changer ta manière de relationner émotionnellement avec les autres, et c'est ça que tu as entre guillemets. Pas presque entre guillemets vomir c'est que bah ouais t'as tort en fait la terre elle est pas ronde la terre elle est plate <laughs> <Je décolle. rire> non mais voilà c'est et en fait je te parle de terre plate terre ronde parce qu'en fait on s'en fout qui a raison l'essentiel c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort c'est que tu saches passer de j'ai raison à euh, je m'aperçois que j'avais raison, enfin j'avais raison et je m'aperçois que j'ai tort, ou euh, j'avais tort et je m'aperçois que j'ai raison. C'est de quelle manière tu es capable d'être souple avec toi émotionnellement parlant et arrêter de te flageller Bah bon, voilà Elle est là l'information, tu te flagelles au niveau émotionnel. Ni plus ni moins. Pourquoi Parce que tu es inquiète derrière, il y a des besoins qui sont pas respectés dans ta manière de. Euh... de. de. de d'aller de, dehors, etc. T'as des angoisses, mais tes angoisses renvoient aussi à des besoins. Que ça sert à rien de passer du tout au tout. Hein. Teste les terrasses. Tu vas être semi-dehors, semi-enfermé. Enfin, je... C'est vraiment un truc. Euh... Prends le temps en fait. Ça sert à rien de passer du tout au tout en un claquement de doigts parce que c'est hyper violent. Prends le temps. Mets-toi au diapason avec le corps comme je le disais tout à l'heure. C'est hyper 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 important de euh, de faire ça. D'être euh... OK. Je perçois que ma solution, ma cohérence, c'est d'être plus à l'extérieur et moins à l'intérieur, mais c'est pas pour autant que je dois me euh, que je dois me faire violence dans cette nouvelle solution. Et donc en fait, il est là le truc, c'est que tu te fais violence. Arrête de te faire violence. Te faire violence, c'est pas bien. <laughs> non, mais tu vois, le truc, c'est que prends le temps de te mettre au diapason avec ton corps. C'est vraiment ça le, le, le point principal. Et donc, sois ami, ami ou avec tes émotions. Quand tu es à l'extérieur, vomis tes émotions. Vomis tes émotions, ça veut dire, enracine-toi dans elle. Pour être à l'extérieur et surtout respecte ton rythme émotionnel pour pouvoir euh, avancer dans la vie Ouais, mais quand je dis ça, il y a vraiment ton, ton esprit refuse ça que tu poses une domination voilà ça. tu es en train de poser une domination de ton esprit sur ton corps et notamment sur tes émotions, comme si tu devais tu. En fait, tu as décrété que ah bah j'ai raison, ton esprit décrète j'ai raison. Donc la vie ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que tes émotions ne disent pas forcément la même chose. Et que toi tu dis à tes émotions vos gueules. Et donc il est peut-être temps de dire euh, bah, bienvenue chez vous et exprimez-vous. Tu vois Voilà, l'information elle passe. Donc voilà je, ce que je peux dire par rapport à toi. J'espère que la réponse euh, va t'aider. Comme je disais tout à l'heure, bah, si vous voulez aller en profondeur, bah, venez me voir en session individuelle. Euh, on a beaucoup plus de temps, on a une heure, que ce soit pour euh, la claire information ou alors pour euh, chirurgie informationnelle. Si vous voulez en, en savoir plus sur... Euh, mes formations, donc la formation communiquer avec la structure inconsciente, euh, le stage en forêt qui va y avoir le 21, 22, 23 et l'atelier. Euh, l'atelier ce sera le 28 juin. Contactez-moi par mail, je vous réponds avec plaisir. On peut même s'appeler, il n'y a aucun souci pour que je vous explique le tout euh, en détail. Et puis euh, et puis voilà voilà c'est une soirée cool là je, je m'aperçois que je je peux pas faire plus pour ce soir deux heures c'est bien deux heures c'est parfait même pas plus bon avec ça on est bon mesdames et messieurs j'espère que euh ah, vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à me soutenir, comme vous le savez, bah, ma chaîne a été supprimée fin février. Euh, pas que depuis, toutes mes finances sont ressentent. <laughs> Donc en gros, j'ai vraiment plus, beaucoup, 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 beaucoup moins que voir. Euh, en fait, je vis sur des réserves, pour tout vous dire. Donc euh, bah, n'hésitez pas à faire appel à moi, à faire appel à mes, à mes compétences, à, à mes talents, parce que je je sais que je suis bon dans ce que je fais et je donne vraiment le maximum de mon cœur pour, euh, pour vous aider. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mercredi prochain. Ah oui, euh, le 18, je serai en coanimation animation avec, euh, avec Sébastien. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et donc euh, bah, je vous souhaite une belle soirée.